un garçon, il bat son maman, son papa, une crasse partout de la case. Veut dire, ça finit arrivé contre Mosea. Qui religion dialogue là? Soit ce garçon-là, il est dans la drogue, soit il est fou, soit il est possédé par Shaitan, nous pas connaît parce qu'il est du monde normal, un enfant normal, pas capable de battre son maman, son papa. Il n'est pas capable de crasse partout de la case. Soit il a mis l'asile, soit il a fait rouquille avec lui. Alors ça, quand il était du monde là, soit vous êtes fou, soit vous êtes possédé par Shaitan. Alors vous avez guetté, soit qui certainement du monde pour aller amener l'asile, il passe dans soc, guetté, c'est pas les fous, et il fait suivre un traitement mental. Soit qui vient amener côté du monde faire rouquille à l'oli parce qu'il est capable de posséder par démon, parce que du monde normal pas faire ça. Et donc, sa question qui est fait là est très grave. Il mérite punition avec Allah, il mérite malédiction avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les blâmer loin de maman et papa. S'il n'est pas fou, il fait ça comme ça. Et s'il n'est pas possédé par Satan, ce collier qui fait comme ça, ce banc qui a été collier qu'il gagnait, et imaginez qui destruction peut attendre bientôt s'il n'est pas fait tauba. Ça qui a été dit là, destruction dans quoi un simé peut attendre. Excepté qu'il y a le demande là, il y a le demande de son maman, papa, pardon. Et lui demande à l'esprit sincère, il fait un tauba qui n'est pas pour faire ça. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne.